Depuis Sébastien Flûte, quid du tir à l'arc en Auvergne? Eh bien, réponse aujourd'hui, Gaël Prévost, un jeune Thiernois, archer, prometteur et précoce, champion de France, toute catégorie, une flèche rencontrée par Anne-Laure Giraudot et René Thévenot. Dans le viseur du photographe, la vedette n'a que 15 ans mais cumule déjà les titres. Champion de France cadet et champion de France scratch, toute catégorie. Gaël Prévost a décoché ses premières flèches à 6 ans en jouant comme tout le monde aux Indiens dans la région de Thiers. J'ai connu le tir à l'arc lors d'un déplacement pour le travail de mon père qui était parachutiste à l'époque. Et donc il y avait un club de tir à l'arc près de là où on vivait. Et j'ai eu envie d'essayer, donc ça m'a plu. C'est un peu par hasard que je m'y suis mis. Aujourd'hui, Gaël fait ses études à l'INSEP. Sur le champ de tir du stade Clermontois, l'ambiance est plus détendue. Pour préparer la Coupe d'Europe des clubs, dans 15 jours à Madrid, cet ado d'1m91 travaille en équipe. On tire par roulement. Il y en a un qui tire de flèche, l'autre prend sa place et tire encore de flèche. Et puis le troisième prend la dernière place et tire encore de flèche. Et c'est l'équipe qui a fait le plus de points et qui gagne. Donc on se motive tous les uns les autres afin d'obtenir un meilleur résultat. Allez, ça pivote derrière. Allez, Gaël. Ouais, bien. L'année dernière, il tirait beaucoup plus proche et déjà là, il commençait à battre des records de France et tout ça. Il arrive, il est champion de France pour sa première année à 70 mètres. C'est quand même très beau. Tout juste entré chez les seniors, d'emblée au plus haut niveau, Gaël veut progresser avec en tête les JO de Londres qui viendraient 20 ans après Barcelone et la médaille d'or du Riomois Sébastien Flûte. On ne peut pas comparer, on ne peut pas dire il est meilleur, il est moins bon, il sera plus fort, etc. C'est simplement quelqu'un qui, je sens en lui la capacité d'un grand archer de très haut niveau. Et se maintenir à ce niveau exige de l'endurance. 30 heures d'entraînement et 1500 flèches par semaine.